Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai alors. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Allez. Au sol. Ok, ça va. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Qu'est-ce qui reste chaud ? C'est bon. Circulez ! Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs immédiatement. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok ? Il faut fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur ? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer ? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Faites attention à vous, là-bas. Ah, ça peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette, ici. C'est la lumière, quoi. Allons prendre notre matos. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Prêt ? Bien, madame.
Allez. Allez. Sois prudente. Tu es toujours. C'est une question piège. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai! Super, rapporte-la ici. Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends. Des spores. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter. Revenez. Droite, droite. T'as entendu? Chut, chut. On les a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Ah, enfin, un peu d'air. Couvre l'entrée. C'est bon. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va.
ferme-la. Petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Test. Hé, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Terrence. Non, c'est bon, j'ai une carte. Ok. Si tu touches, tu payes. Boss, ça va là-bas. Allez, merde, putain! Mais gaffe à ta garde! Défonce-le, mec! Où est-ce que tu vas? T'as une putain! Allez, défonce-le! Mets-moi dessus, sa mère! Bonne vie le cul! Vas-y! Allez, défonce-le! Merde! C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. Là. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. On passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous, Robert. Si vous tenez à la vie. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Foutez-moi le camp. Hé, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Je te couvre. Ouais. Élimine-le. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Donne-moi ta main. Ok. Encore des gars de Robert. Comment tu sais que je les vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël a son chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix.